une nouvelle vidéo, donc ce sera une wishlist. Donc tout d'abord, je tenais à préciser que toutes ces choses, c'est des choses que j'aimerais bien avoir et que j'aimerais bien avoir durant toute l'année 2017. Et donc je vais certainement pas tout avoir puisqu'il y en a énormément. Donc voilà, c'est juste des choses qui me font plaisir et que j'aimerais tellement avoir quoi. Et je voudrais tout simplement partager cela avec vous. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite, j'espère que ça vous plaît. Let's go. Donc tout d'abord, on va commencer par les baskets puisque j'en ai repéré pas mal ces derniers temps. Et il y en a quelques-unes que j'aimerais bien avoir, donc je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, j'aimerais bien avoir les Gazelle 91 en noir ou bien en bleu foncé, enfin bleu marine, puisque je les trouve super belles en 7 coloris. Surtout que là, ça va bientôt être le printemps et tout, donc franchement, ça serait l'idéal comme chaussure à porter. Ensuite, j'aimerais trop avoir les Nike Air Max 95 en beige ou alors rose, je ne sais pas, mais j'aime bien les deux, elles sont magnifiques les deux couleurs, peut-être plus les beiges, peut-être une préférence. Ouais. Par contre, elles coûtent 170 €, donc voilà, c'est cher, mais elles sont magnifiques. Ensuite, depuis un certain temps, j'arrête pas de voir les Puma Creepers, donc de la collection Rihanna, sauf que là, il y a des nouvelles qui sont sorties, et j'aimerais bien les avoir en noir et blanche, donc vous savez, avec la plateforme, là, donc d'ailleurs, je vous mettrai les photos ici sur le côté. Et je les trouve super belles, ça fait un moment que je les vois et voilà quoi, ça serait pareil l'idéal pour le printemps. Ensuite dans la catégorie vêtements, j'ai repéré pas mal de choses puisque ces derniers temps j'ai été faire un tour sur le site ASOS et franchement d'ailleurs ce site est génial. Et j'ai repéré pas mal de choses. J'ai vu un sweat court de chez Nike, donc je pense bah, pour faire du sport je trouve que ça serait pas mal et franchement il est trop beau. Ah non, il coûte 39,99 €. Ensuite, j'ai vu un sweat Tommy Hilfiger, donc je ne sais pas si je le prononce bien ou mal, mais bon, c'est pas grave. Et donc, j'aimerais bien l'avoir en gris et je le trouve super. Voilà, j'aimerais trop l'avoir. Donc, il coûte 130 €. Ensuite, j'ai vu un sweat Nike noir, donc avec le logo Nike juste ici en fait. Et ah oui, j'ai pris mon téléphone pour les photos, voilà, parce que je vais pas tout retenir, bien évidemment. Et franchement, il est super beau, il coûte 49,99 € et il est magnifique et pourquoi pas l'avoir au prochain achat. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu les sweat rose pâle, franchement je les trouve super beaux et j'en ai repéré sur internet, ça coûte entre 30 et 40 € et franchement ils sont magnifiques et ben, c'est assez rare, donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, dans la catégorie maquillage, donc j'aimerais beaucoup avoir la palette de chez Kay Von D. Donc c'est la palette où vous savez il y a genre les fards à paupières, du bronzer, donc la palette contour kit en fait. Donc pareil, elle coûte 45 € par contre, mais j'en entends parler de partout sur les vidéos et tout. Et franchement quand je vois le résultat je trouve ça dingue et c'est magnifique quoi. Et c'est pour ça que j'aimerais trop l'avoir. Ensuite j'aimerais trop tester les rouges à lèvres, enfin plutôt les lipsticks de chez Huda Beauty. Par contre ils coûtent 21,95 €. Mais quand je vois le résultat, les différentes teintes et tout dans les vidéos, je les trouve vraiment super beaux et pourquoi pas tester. Ensuite ça pareil, toujours de chez Kay Von D, je pense que vous en avez entendu parler. Vraiment, bah, peut-être pas encore dans les vidéos, mais en tout cas moi j'en ai vu sur Instagram et tout. Donc c'est les lipsticks de chez Kay Von D. J'ai repéré quelques teintes qui m'intéressent vraiment et comme ils coûtent 20 €, on va dire que ça passe encore, même si ça reste quand même cher pour un rouge à lèvres. Mais pourquoi pas tester, mais je pense que je vais m'en acheter un bientôt. Je vous dis ça dans mes prochaines vidéos ou alors sur mes réseaux sociaux. Ensuite en parfum, j'ai repéré le So Sweet de chez Lolita. Franchement j'en ai entendu beaucoup parler, je l'ai senti, il sent trop bon et voilà, j'aimerais trop l'avoir et il coûte 44,95 € en 30 ml. Ensuite un autre parfum que à chaque fois que je vais dans des parfumeries, que ce soit Nocibé, Sephora, enfin bref en parfumerie quoi, à chaque fois que j'y vais j'arrête pas de le sentir et je l'achète pas. Et donc ce parfum c'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. C'est ça, donc il coûte 60,95 € en 30 ml, donc je pense que 30 ml, bah, j'en ai assez quoi. Mais franchement j'aimerais trop l'avoir, surtout que bah, j'arrête pas d'aller le sentir et tout, donc voilà.
Ensuite, dans la catégorie soins, j'aimerais trop tester les masques Glam Glow qui coûtent 49,95€. Donc franchement, quand je vois ce que ça fait sur la peau et tout, déjà quand ça fait vraiment la couleur qui est dans le pot sur le visage en fait, et je trouve ça magnifique d'une et de deux. Je pense qu'ils fonctionnent bien puisque j'en ai pareil beaucoup entendu parler quoi. Et j'aimerais trop en avoir un, même si pour un masque 50€ c'est cher. Après, est-ce que ça tient le temps? Ensuite, dans la catégorie déco, enfin pour la chambre et tout, j'aimerais trop avoir des guirlandes décoratrices. Donc là, pour l'instant, enfin, j'aime bien en mettre sur mes étagères et sur mon psyché. Voilà, donc j'aimerais trop en avoir parce que j'en ai qu'une. Et franchement, quand je l'allume, j'aimerais bien en avoir autre part dans ma chambre. Et c'est pour ça, surtout que ça coûte pas si cher que ça en fait. Et voilà, j'aimerais trop en avoir. Ensuite, j'aime trop les bougies, donc j'aimerais bien avoir soit celles de chez My Julie Candle ou alors de chez Yankee Candle parce que j'en entends beaucoup parler et elles sont... D'une, elles sont magnifiques et de deux, leur senteur, il y a plein de joie et ça doit sentir tellement bon. Bon, j'en ai dans ma chambre là, derrière, je l'ai là. Je sais pas si vous les voyez, mais ça, là, elle vient de chez Ikea. J'aimerais bien en tester d'autres. Et enfin, pour finir dans la déco, j'aimerais trop un miroir noir, donc un grand miroir de ma tête de lit ou alors sur mon grand mur à côté de mon lit. J'aimerais trop le grand miroir, d'une parce que ça agrandit la chambre et de deux parce que je trouve ça vraiment beau et ça ferait vraiment trop beau dans ma chambre. Et voilà, ça fait longtemps que j'en veux un, donc j'en ai repéré quelques-uns sur Ikea. Par contre, je crois que celui que j'ai vu, il coûte 90€, donc bon, ça attendra, je le voulais pour Noël, mais bon, peut-être mon anniversaire ou alors Noël prochain. Donc voilà tout le monde, c'est à présent la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais également à liker cette vidéo, vous abonner à mes réseaux sociaux que je vous mets soit ici ou soit à la fin de cette vidéo, sinon bah, toujours dans la barre d'infos. Donc voilà, sinon je tenais toujours à préciser que cette vidéo, bien sûr les choses, je ne vais pas toutes les avoir. Voilà, c'est des choses qui me font vraiment extrêmement plaisir et que j'ai repérées, que je voulais tout simplement partager avec vous. Et j'en suis consciente que tout ce que je veux c'est énorme quoi. Bon bref, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je me retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening, no I'm indifferent, truly. Oh, ain't you sent from above?